Trempe la moitié d'un citron dans du bicarbonate de soude et le résultat te laissera bouche bée. Que sais-tu sur les citrons? Que tu devrais en manger quand tu es enrhumé? C'est tout? Savais-tu que les citrons sont des baies? Les citronniers, qui peuvent pousser jusqu'à 6 mètres de haut, sont très fertiles. Ils fournissent des fruits toute l'année et ils peuvent produire plus de 270 kg de citrons par an. Il existe même un requin appelé en l'honneur des citrons. Le requin citron faucille à cause de sa couleur jaunâtre. Es-tu vraiment intrigué par ce petit fruit amer? Alors regarde la vidéo jusqu'à la fin et tu découvriras plusieurs faits intéressants et plutôt inhabituels sur les citrons. Rappelle-toi d'appuyer sur « J'aime » si c'est la première fois que tu entends parler de ses effets. Mais ne parlons pas tout de suite des citrons, parlons plutôt de leur combinaison avec le bicarbonate de soude. Une simple recette de la moitié d'un citron trempé dans du bicarbonate de soude a causé un grand nombre de débats et d'opinions controversées. Et la raison pour cela était l'idée que cette combinaison était efficace pour l'incessante lutte contre le cancer. Il est vrai que le citron et le bicarbonate de soude ont un effet antioxydant et des propriétés alcalines. Mais beaucoup de spécialistes doutent que la combinaison de ces produits puisse soigner le cancer ou complètement le prévenir. Cependant, des études ont montré que le jus de citron, par exemple, est très efficace pour lutter contre les cellules cancérigènes. Il réduit le stress oxydatif dans ton corps entier, tout en réduisant donc le risque de cancer. Le bicarbonate de soude est quant à lui connu pour sa capacité à réguler les niveaux de pH. Cela veut dire qu'il peut contrer l'acidité que ton corps accumule, ce qui est l'une des principales raisons du cancer. Cette maladie a tendance à se développer dans un environnement acide. Le bicarbonate de soude détoxifie aussi le corps et le guérit de l'exposition aux radiations et du stress oxydatif. Tout le monde a déjà entendu parler d'un tas de remèdes modernes pour la santé qui deviennent populaires à une vitesse alarmante. Leur célébrité est souvent éphémère, alors que le remède à base de bicarbonate de soude et de citron date déjà de plusieurs décennies. Pourquoi les gens continuent d'utiliser cette combinaison pour soutenir et améliorer leur santé? Cette combinaison peut aider dans le processus de perte de poids. Il existe suffisamment de preuves qui montrent que la boisson fournit une meilleure endurance et plus d'énergie durant les entraînements. Elle affectera positivement la vitesse de ton métabolisme et comme résultat, ton poids commencera à baisser. Le citron avec du bicarbonate de soude fournira un purifiant pour ton corps. Le citron en particulier est un diurétique. Il stimule ton corps à uriner. Par conséquent, l'excès d'eau, de sel, de toxines et de graisse est expulsé. Tes reins te seront éternellement reconnaissants pour cette aide. Cela réduira également le stress et la pression que ces organes expérimentent quotidiennement. Cette combinaison peut aussi être utilisée pour le soin des dents. Cependant, fais attention, ces qualités abrasives peuvent endommager tes dents si tu essaies d'utiliser ce mélange pour les blanchir. Toutefois, cela peut aider à réduire les taches sur les dents et diminuer les niveaux d'acidité dans ta bouche. Le citron combiné avec du bicarbonate de soude améliore la digestion. Cela marche comme un parfait antiacide en réduisant les ballonnements, les brûlures d'estomac, les crampes et d'autres symptômes de l'indigestion. La boisson prévient les inflammations dans le ventre tout en stimulant ta santé et ton système immunitaire. La boisson à base de citron et de bicarbonate de soude prévient l'effet négatif que les radicaux libres ont sur ton corps. Le résultat, c'est très bénéfique pour ta peau étant donné que cela peut ralentir les signes de vieillissement, donner un joli brillant à ta peau et réduire la vitesse à laquelle les rides apparaissent. Cela peut également contribuer à la santé de ton cœur. Les recherches ont montré que si tu bois de l'eau avec du bicarbonate de soude et du citron, cela régulera tes niveaux de mauvais cholestérol. De plus, cela améliorera les niveaux de bon cholestérol dans ton corps, ce qui réduira tes chances de développer de l'artériosclérose. Tout cela mènera à une réduction des risques de souffrir d'une crise cardiaque et d'un AVC. Un autre résultat positif que tu remarqueras après avoir bu de l'eau avec du citron et du bicarbonate de soude, c'est le renforcement de ton système immunitaire. Sa capacité à améliorer l'alcalinité de ton corps engendre la prévention des problèmes d'acidité.
Un autre bienfait du mélange de citron et de bicarbonate de soude, quand ils sont utilisés comme un alcalinisant, est l'assistance qu'ils apportent à tes reins. Si ces organes ne sont pas capables de débarrasser ton corps de tous les acides nocifs ou s'il y a trop d'acides produits, cette boisson te sera d'une grande aide. Si tu commences ta journée en buvant un verre de ce remède, tu seras capable de purifier ton foie, de recevoir une dose saine de potassium, de vitamine C et d'autres antioxydants. Comment préparer cette boisson magique? Il n'y a rien de plus facile. Prends un verre d'eau minérale, ajoute une cuillère à café de bicarbonate de soude, presse la moitié d'un citron dans le même verre, bois ce mélange le matin en étant à jeun pour un meilleur effet. Malgré cela, voici quelques notes d'avertissement. L'effet alcalin de cette boisson est puissant. Par conséquent, prends-la durant 2 semaines, puis fais une pause durant les 2 semaines suivantes. Si tu commences à la consommer avec trop d'enthousiasme, ton corps pourrait développer de l'alcalose. De plus, si tu souffres d'une gastrite, n'utilise pas ce remède. Es-tu impressionné par tous ces bienfaits sains que tu peux obtenir sans trop d'efforts? Aime cette vidéo, nous allons te donner d'autres façons secrètes d'utiliser les citrons. Citron avec de l'huile d'olive. Cette boisson est utilisée comme un nettoyant très efficace pour ton corps. Elle concentre ses efforts sur la vésicule biliaire et le foie. Tu peux faire le nettoyage pour une durée de 2 ou 3 jours. Il est préférable de commencer le matin et de choisir des jours où tu peux rester chez toi. Tu pourrais fréquemment avoir besoin des toilettes. Pour préparer cette boisson détoxifiante, mélange 200 ml de jus de citron fraîchement pressé avec une cuillère à café d'huile d'olive. Il est préférable d'utiliser de l'extra vierge. Puis, ajoute 250 ml d'eau et mixe le tout. Tu devrais immédiatement boire le mélange, sinon les ingrédients commenceront à se séparer. Bois-le 2 fois par jour, le matin et le soir, et évite de manger des aliments solides durant la journée. 24 heures après avoir fini le nettoyage, mange uniquement des fruits et légumes crus. Citron avec du sel marin. Un verre d'eau avec du jus de citron et du sel marin peut être une excellente façon de débuter la matinée. Certains athlètes professionnels commencent leur journée de cette façon. Ce n'est pas étonnant. En effet, cela augmente le fonctionnement de ton système immunitaire, améliore la digestion et combat les inflammations. La vitamine C mélangée aux minéraux contenus dans le sel marin aide ta santé, ta vitalité, ton niveau d'énergie, ton bien-être et permet même d'améliorer ta libido. Ce ne sont que certaines variantes de l'utilisation du citron pour les bienfaits sur ta santé. Cependant, il existe d'autres manières plus inhabituelles et moins comestibles d'utiliser cette baie. Nettoyer toute la maison. Mélange du bicarbonate de soude avec du liquide à vaisselle de façon à créer une pâte. Étale la pâte sur la moitié d'un citron. Puis, au lieu d'utiliser une éponge ordinaire pour nettoyer les éviers, les lavabos et les baignoires, utilise cet appareil que tu viens de créer. Tu obtiendras un résultat brillant. Cirage à chaussures. Prends 2 cuillères à soupe de jus de citron et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Applique le mélange sur tes chaussures en cuir avec l'aide d'un chiffon sec et laisse agir pendant quelques minutes. Plus tard, enlève le mélange avec une serviette en papier ou un chiffon. Tu peux polir tes meubles en bois de la même manière. Répulsif à mouches. Pour se débarrasser de ces mouches désagréables, tu auras besoin de 2 ingrédients, du citron et des clous de girofle. Les mouches détestent l'odeur des clous de girofle et elles sont aussi connues pour détester les citrons. Cette combinaison sera un répulsif très efficace. Coupe un citron en 2, enfonce environ 10 clous de girofle dans chaque partie du citron. Après cela, place l'assiette au milieu de la pièce. Profite de ta vie sans mouches. Et maintenant, voici d'autres faits sur les citrons, comme promis. Si tu verses du jus de citron sur d'autres fruits, ils ne noirciront pas. Auparavant, les citrons étaient tellement rares que les rois avaient l'habitude de les envoyer aux autres rois comme cadeau. Lemon, citron en anglais, était un prénom très commun pour les garçons et les filles dans les années 1900. Le plus gros citron pesait 5 kg. Il a été cueilli en 2003. Connais-tu d'autres usages des citrons? Partage-les avec nous dans les commentaires. Et s'il te plaît, appuie sur « J'aime » et abonne-toi à notre chaîne afin de faire partie de la communauté sympa.